j'entends souvent des gens dire qu'on utilise le fluorocarbone pour faire vendre une sorte de fil aux compagnies. J'en entends aussi dire que cette sorte de fil-là ne sert pas à grand-chose pour pêcher. Ben, aujourd'hui, je vais vous prouver le contraire, que le fluorocarbone, c'est vraiment un fil à avoir sur à peu près toutes les cannes à pêche, surtout quand on va travailler près du fond et qu'on a des belles grosses roches coupantes, parce que c'est un fil qui résiste beaucoup à l'abrasion. Moi, je vais l'utiliser souvent en section de 4 à 6 pieds de long. La dernière section, proche du leurre, évidemment, celle qui va être le plus en contact avec le fond, et celle aussi que les poissons vont analyser le plus, parce que le fil de fluorocarbone, c'est le fil qui résiste le plus à l'abrasion, puis c'est aussi lui qui est le moins visible sous l'eau. Donc, ici, j'ai 4 sortes de fils. 4 sortes de fils de 15 livres de résistance. J'ai du fusionné, du fluorocarbone, du monofilament avec du copolymère, puis j'ai du fil tressé. Fait que, c'est sûr que c'est pas un test scientifique, là. Je vais le prendre avec mes mains et on va le frotter dessus, mais je vais juste vous démontrer c'est quoi la différence que peut avoir concernant la résistance à l'abrasion d'un fluorocarbone. Ça peut nous éviter de perdre beaucoup de leurre. Moi, quand je guide, là, je mets toujours une section fluorocarbone après mes cannes à pêche, parce que ça... Sur le fleuve, un moment donné, là, j'ai perdu 35 à 40 pièces de leurre en 10 minutes à force de frotter après des roches. Je l'apprends à dur, à cette heure, j'en mets tout le temps. Fait que je vais commencer avec le fil tressé. Le fil tressé, les gens vont dire hey, ça c'est du bon fil, c'est résistant, c'est fort. Oui, c'est vrai. Mais le fil tressé, il s'effrite très facilement sur une roche, contrairement à ce qu'on peut penser. Je pense que c'est parce que quand on le prend dans nos mains, c'est un fil qui allonge pas beaucoup. Il a l'air solide. C'est un fil solide. Je l'utilise beaucoup, le fil tressé. Là. C'est pas ça que je veux dire, mais pour l'abrasion, c'est pas le meilleur. Quand on tire dessus, il allonge pas. Il nous rentre dans les mains. On dit hey, c'est incassable, ce fil-là. On va regarder ce que ça fait sur la roche. Je vais toujours frotter sensiblement à la même place. Là. Fait que j'y vois avec le tressé. Une, deux fois, il est coupé. Ça n'a pas pris grand-chose. Là. L'avez-vous vu? Paf! Ça a coupé tout de suite. Fait que je vais replacer ma section de fil tressé là. Du fil de 15 livres, là, oubliez-le pas. C'est sûr que le test est extrême. En situation de pêche à la traîne, la pression sur le fil est peut-être pas aussi importante, mais quand même. Je vais y aller avec le fil fusionné. Je vais y aller dans l'ordre que je pense qu'ils vont couper le moins vite possible. Là. Je vais dérouler ça tranquillement. Fil fusionné, toujours de 15 livres de résistance. Je l'enroule dans mes mains. Je le frotte sensiblement à même place. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois, il a été coupé. Fil fusionné 5 fois. Donc, le fil fusionné résiste mieux à l'abrasion que le fil tressé. Je m'en doutais un petit peu parce que la manière que le fil fusionné est conçu, là, c'est... Fusionné et tressé, il faut comprendre la différence entre les deux. C'est du Dynima ou du Spectra. La fibre qu'il y a là-dedans, règle générale, chez les compagnies. Le tressé, c'est comme si on faisait une tresse, puis qu'on alignait les brins pour concevoir un fil. Puis le fusionné, c'est une machine qui va comme souder les fibres ensemble. Il y a un certain enduit qui se fait, puis le fil est beaucoup plus glissant. Là. Là-dessus, ça résiste mieux, on vient de le voir à l'abrasion. Allons-y maintenant avec le monofilament. Monofilament qui est enduit de copolymère, là, ça... Ça fait, selon moi, que c'est un petit peu plus résistant qu'un monofilament normal, mais on va le voir, là. On va le voir ici, là, avec l'abrasion sur la roche. Donc, je l'enroule une certaine partie. On va frotter sensiblement à même place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Il était coupé. Fait qu'il est encore plus résistant que le tressé qu'on a fait 3 fois, si je me souviens bien. 5 fois avec le fusionné et le monofilament. On a dit c'est fou. Maintenant, on y va avec le fluorocarbone. Bon. Là, j'ai pas fait de pré-test avant. Là, c'est vraiment du live que je vous montre là. On va regarder qu'est-ce qui va se passer. Côté résistance à l'abrasion. Encore là, j'essaie de mettre la même pression sur mon fil. Je frotte sensiblement à même place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 fois. Donc, j'espère que la démonstration a été assez éloquente. Là.
Regardez, on avait fait 6 fois avec le monofilament, le meilleur fil qui avait résisté. On a fait 10 frottements de plus. Fait que ça ment pas. Ça ment pas. Si vous voulez éviter de perdre des leurres, si vous voulez éviter d'être vu par des poissons, rajouter une section de fluorocarbone, c'est la clé. C'est des petits détails qui font qu'à la pêche, on est meilleur. Ben ça en est un autre exemple.